Le manoir du quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en pause. Sur ce, bon visionnement. Hello tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à Hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente la Pêche en ville édition 2015 à Saint-Georges-de-Beauce, directement du Parc des Séchutes. Bon visionnement! Oui, alors bonjour et bienvenue à cette 19e édition de la pêche en ville. On sait que c'est 3 jours où partout au Québec, on a le droit de pêcher sans permis de pêche. Donc, un bel événement. Cette année, c'est notre 19e édition. Donc, très belle journée. On a mis du poisson à l'eau ce matin. On a 4400 truites qui ont été mises à l'eau. Et demain également, nous aurons 2500 truites qui seront mises à l'eau pour le plaisir de nos pêcheurs. Et on sait que ça mord très bien. On a 20 truites étiquetées, donc un petit bout de tissu rouge qui ont été mis sur les poissons. Et ceux qui attrapent ce poisson se gagnent aussi un merveilleux prix offert par Nature Chasse et Pêche et au Bon Marché Bernard. Donc, nombreux partenaires, nombreux commanditaires. Et derrière moi, le bassin de pêche pour les enfants. Donc, l'occasion à nos enfants de 8 ans et moins d'attraper un poisson. Petite facilité pour eux, pour leur donner le goût de continuer à pêcher. Donc, merci à tout le monde. Merci aux gens qui viennent participer au Parc des Séchutes, à cette 19e édition de la pêche en ville. Et surveillez l'an prochain. Surveillez l'année prochaine, en 2016, la pêche en ville. Ça va être la 20e édition. Beaucoup d'événements. Donc, très belle journée sous le soleil en ce samedi, dimanche 6 et 7 juin. Merci.
Cette capsule d'hier aujourd'hui est une gracieuseté du manoir du quartier. Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir.